Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB située à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Tout de suite, notre débriefing radio spécial football Ligue 1 à propos de la 14e journée de Ligue 1 et notamment du match Nice-Reims qui s'est tenu ce soir le 22 novembre 2014 à 20h au stade Allianz Riviera à Nice. Donc on va tout de suite commencer par les compositions de l'équipe de Nice et de l'équipe de Reims. Donc pour les Niçois, dans les buts, Hassen accompagné de l'équipe suivante, Puel, Genevois, Gomis, Amavi, Mendy, Essérik, Hult, Svitanich, en attaque, Pléa et Bozetti. Concernant l'équipe du stade de Reims, Placide au but avec Mandy, Takalfred, Comté, Signorio, Devaux, Onyang, Bourillon, N'Gog, Depréville et Fortes. Concernant l'entraîneur, bien sûr, du stade de Reims, c'est Vasseur. Les remplaçants, Agassa, Fofana, Roberge, Glombard, Mavinga, Courté, Mfulu. Côté niçois, pour l'OGC Nice, l'entraîneur, vous le connaissez, Claude Puel. Les remplaçants, Diawara, Pouplein, Lloris, Vercoteren, Rafetrayana, Puel et Cosiello. Donc, quelques minutes avant ce match, donc avant 20h, donc quelques infos. La semaine dernière, les hommes de Jean-Luc Vasseur l'ont emporté, donc Stade de Reims contre Lille 2-0. Ensuite, quant à eux, les Niçois ont enchaîné un deuxième échec consécutif, puisqu'après leur défaite à domicile contre Lyon, la dernière fois, 1-3, ils sont allés perdre à Évian 1-0. Alors, parmi les actualités de la semaine pour le gym, Dario Svitanić a notamment été au centre. L'attaquant argentin a annoncé être sur le départ et chercher un club. Je profite de mes derniers mois à l'OGC Nice, un club très important à mon cœur. Je suis en fin de contrat. Si je n'ai pas eu de proposition de prolongation jusqu'à présent, je n'en aurai pas à l'avenir. Et donc ensuite, du côté des absences du week-end pour l'OGC Nice, il faut noter celle de Neil Maupay, touché cette semaine à l'entraînement, qui ne devrait pas être trop longue. Le jeune attaquant souffre finalement d'une petite entorse moins grave que prévu. Dans les deux premières rencontres de cette 14e journée, il faut noter que Bastia et Lyon se sont neutralisés 0-0 en fin d'après-midi après la victoire hier soir de Paris à Metz 2-3. Mais enfin, le multiplex foot, on en parlera plutôt tout à l'heure. Donc les deux équipes arrivent à 19h58 sur la pelouse de l'Allianz Riviera où les supporters habitués de la Populaire Sud ont été répartis dans les autres parties du stade. Parce que rappelons-le, la Populaire Sud est interdite pour l'instant de remise en service. La Populaire Sud n'est pas placée pour l'instant et voilà, donc ils sont répartis dans les autres parties du stade. Elle est fermée, la Populaire Sud, pour être précis. Voilà, donc première minute, 20h01, donc c'est parti sur la Côte d'Azur, le coup d'envoi de la rencontre entre Nice et Reims. Deuxième minute, si les Rémois espèrent poursuivre leur série de 5 matchs sans défaite, les Niçois pour leur part doivent absolument remporter ce soir pour se relancer et éviter une mauvaise passe, même si au classement la Ligue 1 reste des plus serrées. Troisième minute, le premier corner est pour l'OGC Nice, bien repoussé des 2 points par Johnny Placide, le gardien du stade de Reims. Quatrième minute, réponse du portier Hassen, sollicité par Depréville. C'est également un corner pour le stade de Reims, mais il ne donne rien, même si Mandy s'était élevé plus haut que tout le monde dans la surface. Quatorzième minute, si le corner est un peu long, Bozetti de la tête n'est pas loin de reprendre le ballon pour le mettre dans le cadre. Première vraie occasion pour l'OGC Nice. 16e minute, les Aiglons occupent le camp du stade de Reims maintenant. Après un nouveau corner signé Hult, bien entré dans ce match, tente une reprise de loin, mais ça file au-dessus du cadre. 24e minute, premier carton jaune de la soirée pour Onyangé pour une intervention en retard dans les airs sur Niklas Hult. Logique. 28e minute, deuxième faute consécutive de Takalfred après une intervention sur Svitanić. C'est une deuxième sur Bossetti qui lui vaut un jaune. Le capitaine Rémois est le second à prendre un carton dans cette rencontre où l'engagement est important.
30e minute, le coup franc est repris à la tête par Kevin Gomis, placé juste devant Dario Zvitanic qui ne peut cadrer. 39e minute, Valentin Essérik, justement à sa droite de cette surface adverse, oublie de servir ses partenaires en retrait et prend seul sa chance face à Placide qui ne perd pas le ballon, bien au contraire, il l'attrape et le renvoie. 46e minute, c'est reparti à Nice après cette première mi-temps. 0-0, les deux formations sont donc neutralisées actuellement, enfin neutralisées toujours 0-0 à la 46e. 50e minute, immense occasion manquée par Bourillon pour le Stade de Reims. Après un ballon perdu par les Niçois dans leur surface, Mandy récupère puis donne à gauche à son milieu de terrain qui envoie le cuir juste à côté du montant droit. 56e minute, premier changement de la soirée côté Rémois, Fortes part ce soir pour laisser sa place à Courtet. 58e minute, changement pour le gym, Bozetti laisse sa place à Rafet Trajana. 72e minute, pour le Stade de Reims, changement, N'Gog, pas très actif, ce soir laisse sa place à Glombard qui évolue plutôt dans le couloir. 76e minute pour le gym, Zvitanić, pourtant auteur d'une très bonne entame tout à l'heure, sort sous les sifflets. C'est Verkotteren qui prend sa place. 80e minute, le débordement de Hult sur la droite. Il centre au ras du sol vers Essérik qui reprend directement mais se fait contrer avant que Pléa ne cafouille. 81e minute, deuxième semelle de Verkotteren sur Bourillon cette fois et donc il a un logique carton jaune. 86e minute, nouveau carton jaune pour les Aiglons. C'est un jaune pour Rafet Trajana pour une intervention en retard sur Onyangé qui reste au sol. 88e minute, Jean-Luc Vasseur demande un changement, mais en attendant, Onyangé reste sur la pelouse. Et bien finalement, il laisse la place à Mfulu. 93e minute, le temps additionnel, changement sous les sifflets des supporters azuréens. Paulin Puel rentre à la place de Niklas Hult. 94e minute, 4 minutes pour l'instant dans les temps additionnels, il y en aura 5. Encore et toujours des fautes, Genevois offre un dernier coup franc au Stade de Reims. 95e minute et ce sera la minute de la fin. L'arbitre Philippe Kalt siffle la fin de ce faible match. Les Rémois repartiront avec un petit point obtenu grâce à ce match nul, mérité 0-0, mérité des deux côtés dans un sens quand même, il faut le dire aussi. Mais c'est quand même malheureux pour les Niçois, 3 matchs d'affilée sans aucune victoire. Voilà. Et donc le Stade de Reims, 0-0 ce soir, Ligue 1, 14e journée en ce 22 novembre 2014. Partons tout de suite sur le multiplex foot. Hier, il y avait donc le premier match de la 14e journée, Metz-PSG. C'est le PSG qui l'a emporté 3-2. Ensuite, aujourd'hui, donc, les matchs suivants ont eu lieu. Bastia-Lyon 0-0. En avant Guingamp, stade de Rennes 0-1 pour Rennes. Nice-Reims 0-0. Donc, Lorient RC Lens 1-0 pour Lorient. Monaco-Caen, match nul également, 2 buts partout. Nantes-Saint-Étienne, ce sera demain 23 novembre à 14h. Montpellier-Toulouse, ce sera demain le 23 novembre à 17h. Marseille-Bordeaux, grosse tête d'affiche, ce sera demain à 21h. Et Lille-Évian, ce sera le 7 janvier. Oui, oui, vous l'avez bien entendu. Non, je crois que d'ailleurs le 7 janvier ça va pas être forcément bon. En tout cas, Lille-Évian, c'est pas pour tout de suite, c'est pour demain. Voilà, vous. Désolé pour cette coquille, c'est le texte qui n'est pas bon. Donc Lille-Évian, ce sera le dernier match de cette 14e journée. Alors concernant le classement général, à ce soir, le 22 novembre 2014, après ce match Nice-Reims, premier PSG avec 30 points, Marseille deuxième avec 28 points, troisième Lyon avec 27 points, 4e Bordeaux, 5e Nantes, 6e Stade Rennais, ensuite 7e Saint-Étienne, Monaco 8e, Stade de Reims donc 9e, l'OGC Nice 10e, Metz 11e, Toulouse 12e, Montpellier 13e, Lille 14e, Bastia 15e, Caen 16e, Lorient 17e, Évian 18e, Guingamp 19e et Lens 20e. Mais bon, ce classement
ne veut trop rien dire puisqu'il reste encore 4 matchs sur cette 14e journée de Ligue 1. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr pour ce débriefing radio RVPB spécial match Nice-Reims qui a eu lieu le 22 novembre 2014 à Nice au stade Allianz Riviera. Ciao, bye bye et à bientôt.